tout le monde. Alors, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire mon introduction. Mais ça va parce que le montage n'était pas encore fini de ma vidéo. Alors, aujourd'hui, on va travailler une petite carte avec les tampons Gloplande, les tampons citrouille. Peut-être qu'on les verra mieux comme ça. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Et les tampons corbeaux. Par contre, là, je n'ai rien pour mettre en dessous. Ça va être un peu compliqué. Oui et non. On a juste cette bande de papier qui va aller là. Hop. Voilà, on y voit un peu mieux. Voilà, les tampons corbeaux. Alors, pour ce faire, je vais me servir donc des tampons citrouille. Et je vais me servir également donc cela. Cela, et je vais me servir aussi de cet arbre là. Voilà, donc je vais faire une petite carte automnale, on va dire, hein, sur le thème des citrouilles. Les arbres sont tellement jolis qu'on peut les prendre sans pour autant mettre des corbeaux. Vous verrez au fil de ma vidéo. Et que dire d'autre? Que je vais vous laisser sur mes mains parce que je vais faire du découpage et du coloriage. Donc le découpage est déjà fait. Je vais faire le coloriage de toutes ces petites citrouilles là, parce que ça prend du temps quand même. Et que dire d'autre? Et ben toujours la même chose. Hein. Partenariat avec Gloplande. Avec ce code petite 10, 10% sur toute votre commande. Et croyez-moi, on va faire quelque chose de bien. Allez! Je vous laisse et je vous laisse sur mes mains. À tout de suite.
Voilà, j'ai fini le coloriage de mes citrouilles. Je vais pouvoir maintenant commencer à faire le montage, enfin le montage entre guillemets, de ma vidéo. Et je vous dis à tout de suite, le temps de débarrasser tout ça. Et on se retrouve. Alors, j'ai pris un papier de fond parce que je vais, comment dire, faire le fond de ma carte. Je vais faire un peu de ciel. Donc, je vais essayer avec cette Distress. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer de ne pas trop appuyer. Je la connais pas trop, celle-là. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps et donc je ne sais pas trop ce qu'elle donne en tampon comme ça. Puis, je vais lui faire confiance. En tout cas, elle ne marque pas fort. Je me demande vraiment si c'est d'encre dedans. Oh oui, c'est d'encre. Donc, c'était moi qui ne... Voilà. Marquez pas assez. Alors, moi, ce que je veux, c'est ça. En plus uni, bien sûr. On va le prendre comme ça. Un beau bleu, un beau ciel bleu, on va dire. Surtout qu'en ce moment il pleut, donc on va faire un ciel bleu. Ah, j'aime pas quand ça racle les bords comme ça. Et je vais prendre, toujours en Distress, j'aurais pu sur le pinceau, hein, mais je voulais le faire au doigt. Celle-ci. Alors celle-ci me faut un nouveau doigt, étant donné que j'en ai pas d'en route. On va dire ça. C'est marrant, j'ai des doigts qui sont marrons et des doigts qui sont clairs. Chercher l'erreur. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il donne? C'est aussi un nouveau. Un nouveau que je ne me suis pas trop servi. Bon, c'est bon. Ça me plaçait. Allez. Encore du coloriage avec vous. Alors là, je ne vais pas trop m'embêter. Hein. Franchement, on va faire sur tous les bords parce que sinon ça fait pas joli. Et après, on va faire du tamponnage. Un peu de tamponnage. On va faire un peu de déco. Bon, il n'est pas terrible non plus celui-là, hein. Ah, ben voilà, c'est ce qu'il faut mettre plus, c'est l'étaler. D'accord. Bon, ben autant pour moi, hein. Ça m'apprendra à dénigrer. Non mais quand on arrive à les manier, ça va. Hein, après, il faut les étaler. Et heureusement, je n'ai pas pris le plus foncé. Alors, ça a été une catastrophe. Alors, je rappelle que je fais cette petite carte en partenariat avec Globeland. D'où les tampons citrouille et le petit arbre que je vais mettre dessus. Voilà. Ouais, non, ça me va. Comme ça, ça me va. Un pot comme ça me va très bien. Voilà. Même si ça paraît bizarre, ça me va. Alors, ensuite. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Non, allez, soyons sérieux. Je veux mettre mon arbre ici. Arbre. Pour cela, je vais prendre ma planche. Moi, sans planche, je sais pas faire. Alors, c'est pas que je sais pas faire, hein, mais vous êtes sûr que si vous faites sans planche, ça se rate quoi. Alors, on va faire comme ça. Je vais mettre un peu, on va essayer de mettre un peu droit quand même. Hein. Qu'au final, ça n'a pas trop d'importance, ça ne fait rien. On va mettre droit quand même. Allez, hop. J'avais fait un essai comme ça pour voir ce que ça donnait. Alors, ma Versafine. Comme ça. Toc. Voilà. Normalement, ça devrait suffire.
un chiffon. Alors là, oui, les chiffons sont vraiment noirs. Hein. Et on tamponne. Alors, si par contre mon tamponnage n'est pas tout à fait comme je veux, c'est pas grave. Et ben c'est excellent. Encore un petit peu au niveau de l'arbre, peut-être là. Et ben voilà, c'est parfait. Allez, hop, je ramasse mon chiffon. J'essuie tout de suite comme à mon habitude. Voilà. Je regarde parce qu'il faut attendre le séchage. La versatine est un peu longue à sécher. Mais au final, ça va. Ça va, ça va. Faut juste pas mettre ses mains dessus. Alors voilà. Donc, oh, j'ai même pas fait ma base de cartes. Non, mais ça veut dire quoi ça? Bon, de toute façon, je vais finir ça et on fera la base de cartes après. Alors, je vais prendre ce petit bonhomme que je n'ai même pas colorié d'ailleurs. Oh, j'aurais pu mettre en couleur. Oh non, finalement, ah si, peut-être un petit peu le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? J'ai pas de feutre sous la main. Allez, j'ai trouvé quelques feutres, quelques petits feutres là. Hop. On va mettre le chapeau, couleur camel. J'espère que c'est pas trop foncé. Non, bien, impeccable. Bon, ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Hop. Parce qu'il faut quand même qu'on le voit, ce petit bonhomme. Le pantalon. On va mettre couleur, je sais pas quoi. Blue. Alors. Alors, j'ai des pinceaux, des pas pinceaux. Ouh, c'est bon, c'est ça, non? On va essayer. Non, ça va. J'ai cru pire que ça, mais ça va. Voilà. On va jusqu'à la ceinture quand même. Hein. Mais ensemble, ça va. Voilà, il faudra faire attention parce qu'il y a la selle du vélo. Hop. Et comme ça. Voilà. Je parle de la selle du vélo, puis j'allais. Il faudra que je la fasse en marron. Sinon, je ne vais pas la repérer. Allez, hop. Ça, c'est la selle du vélo. Donc, un petit peu comme la couleur du chapeau. Voilà, on va dire que son vélo est marron. Hein. Bon, ben, si son vélo est marron, on va faire le guidon marron. Voilà. Et le haut, on va prendre un autre bleu beaucoup plus clair. C'est celui-ci, je crois qu'il est beaucoup plus clair. Oh, il est tellement clair que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus dedans. Bon, puis si ça va. Impeccable. Ça me plaît. Ça me plaît tout à fait. Mais voilà. Et bien voilà. Voilà, voilà. On dirait qu'il a mis son cul à l'envers. C'est marrant. Ici, c'est marrant, je vous assure. On dirait qu'il a mis son cul à l'envers. Voilà. Passons une deuxième couche, ça te voit mieux, quoi. Oups là. Allez, tout. Donc voilà notre petit bonhomme colorié. Alors maintenant, ah oui, je voulais faire. Qu'est-ce que j'avais pris pour faire ça? J'en souviens plus. Alors, j'ai ressorti deux nouvelles encres. Je vais faire. Enfin, je vais tenter de faire un truc. Je vais faire l'apparence d'un feuillage. Ces petits pinceaux là, ils vont bien.
c'est bon. Parce que je voudrais mettre avec... j'en avoir un autre. Voilà, ici. Je voudrais mettre cette couleur-là aussi. Alors ça, c'est couleur thé, donc je ne sais pas du tout. Je peux mettre marron, hein, mais... Oh, ben, ça se voit pas. Ah, attendez. On va faire comme ça. Oh, si. Si, si. Si, si, quand même, ça se voit. C'est léger, mais c'est... j'aime bien. Comme c'est l'automne, n'est-ce pas? On met un peu de marron. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le montage. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on fait le montage. Alors, le montage, ça va être vite fait. Je mets mon petit bonhomme ici. Ma colle, celle-ci. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre, légèrement, c'était celui-ci, je crois, je ne sais plus, c'était celui-ci. Parce que là, entre deux, il y a du blanc. Ça va pas très bien faire ça. Bon, bon, ça se voit à peine quand même. Hein. Voilà, donc déjà, ça donne ça. Ensuite, alors moi j'hésitais, soit je mets la boîte aux lettres, mais ça m'embête un peu, soit je mettais comme s'il était dans un champ de citrouille, et là j'aime déjà plus, mais les citrouilles, on va, alors je vais mettre un peu de vert là, si je peux, parce que le papier blanc, je ne me sentais pas de le couper parce que ça avait été trop fin, ça ne l'aurait pas fait, tandis que là, impeccable. Voilà. Alors, est-ce que je mets du 3D? Moi, j'aurais bien mis du 3D pour que les citrouilles ressortent en avant. Donc, allez, on va mettre du 3D. Soyons fous. Est-ce que j'ai du 3D? Oh. Bien sûr, je n'en mets rien. Si, voilà. C'est pas du gros 3D. Je pense que ça va aller. Alors, faut pas que je prenne trop grand, faut pas que je prenne trop petit. Ah, je pense encore un. J'ai oublié de faire ma base de cartes. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, par contre. Voilà. Ça va pas passer en dessous un tout petit peu. Je le coupe en biais. Voilà. Donc on va le mettre. Ça me trottait dans la tête ces citrouilles là et puis mon petit bonhomme. L'arbre, c'est l'arbre pareil. Hein. Ça me. J'avais envie. Alors, on va faire comme ça. Celui-ci. Celle-ci. On va la mettre là. C'est vrai qu'elle peut très bien être dans un champ de citrouille. Hein. Alors ici, on met un bout comme ça. Et un bout dans le sens. Et avec la boîte aux lettres, je referai une autre vidéo. Est-ce que... Oui, ça va dépasser.
Ça colle. Hein. Alors, je ne sais pas chez vous, mais si il pleut, alors, c'est une cata. Enfin, en même temps, on a demandé de la pluie aussi. Hein. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et on en avait besoin. Sérieusement, on en avait besoin. Allez. J'étais en train de demander si j'étais en train de filmer. Oups là. Ça me donne une petite idée pour faire un album de l'automne. Alors, je veux pas que ma feuille dépasse. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et j'ai une toute petite là, des citrouillons, je l'aurais bien mis. En plus, peut-être là. Avec juste un petit 3D là. Ah ben, il me reste un morceau. Ça suffirait pas ça? On va voir. Je l'ai mis trop près. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors, par contre, là, je mets un tout petit point de colle. Juste ici. Là. On va le tenir un peu. Et ma carte, elle est finie, en fait. Hein. Ma carte 3D est terminée. Alors, un fond. Parce qu'il faut quand même bien faire un fond pour cette carte. Alors, je retrouvais en fait le fond que j'avais préparé. C'est un joli papier bleu. J'aime beaucoup ce papier. Par contre, je ne sais pas si je mets deux trucs là. Voilà. On va venir mater dessus. Impeccable. En plus, je crois que j'avais pris les bonnes dimensions. Oui. Voilà. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais mettre mon double face. Que je n'ai plus. Ou très peu. Voilà. Je sais pas si je vais savoir faire toute la carte avec ça. Alors, je vous rappelle donc que j'ai fait ce tuto en partenariat avec Globeland. Chez qui j'avais reçu ces citrouilles. Les arbres viennent des corbeaux. Vous avez une remise sur toute votre commande de moins 10% avec le code KIT10, mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à aller faire vos achats chez Globeland. Alors, moi, que je fais d'habitude, je tiens d'abord ce haut, hop, je dessine un peu ce des côtés, pas trop, voilà, c'est toujours là qu'il faut pas se tromper, hein. Voilà, et je viens poser d'abord donc le bas, on vient de chaque côté. Ma foi, c'est bon. Voilà. Et ensuite, on enlève. Hop. Ces choses-là. Et voilà. Et ben, écoutez, hein, franchement, moi, je trouve que ma petite carte, elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en penserez. Vous avez vu, hein, de... Oui, beaucoup de coloriage, ça j'avoue, mais au final, je la trouve assez jolie. Je la trouve quand même, voilà. De toute façon, je vous mets une photo en fin de vidéo, hein, comme toujours. J'aime bien parce que ça fait 3D, et puis l'arbre au fond, là, ça fait... Et pourtant, hein, le petit bonhomme est collé par-dessus, mais ça fait... Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser.
Que dire de plus, allez voir Globeland. D'ailleurs, je vais vous ressortir la fiche qui est là près de moi. Logiquement. Ah ben je trouve oui, tiens. Non, je rigole. Hein. Alors, comme je disais, c'est partenariat Globeland. Donc, je vous la mets comme ça. Voilà. Avec donc les citrouilles, les arbres, avec les corbeaux. Je le remets dedans. Voilà. Ça, ce sont les corbeaux et les arbres. Bafoua, les citrouilles, je les ai mangées. Non, non, je rigole. Je ne les ai pas mangées. Elles sont là. Je vais les mettre comme ça. Dans ce sens-là, hein. Ça pas trop important, je pense, du moment où vous les voyez. Donc voilà. Si vous voulez faire des belles petites choses comme ça, et ben allez chez eux, commandez. Et puis, si vous voulez, hein, je force personne. Hein. Je le dis toujours, je ne force personne. Avec toujours petite 10%. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous.